Bonjour à tous, donc deuxième vidéo de la série sur le grip, hein, donc pour travailler la force de préhension, les muscles, les avant-bras et puis la poigne. Voilà pour réussir à franchir les échelles horizontales, type monkey bar et compagnie. Voilà donc aujourd'hui, on va commencer donc par 3 fois, comme la dernière fois, 3 fois 30 secondes accrochées et puis 30 secondes de repos. Donc 3 fois ça, voilà, hop, on se pend. Et on essaie de se détendre. Donc si c'est dur, on peut même fermer les yeux, puis essayer de s'imaginer ailleurs, faire d'autres choses. Donc de la dissociation un petit peu. Voilà. Donc voilà, vous prenez 30 secondes, vous détendez les bras. Hop. On essaie de se masser les avant-bras si ça pique un petit peu. Bon, pour le début, voilà, c'est un peu normal. Après, vous allez voir, vous allez pouvoir tenir beaucoup, beaucoup plus longtemps. Ensuite, donc deuxième exercice. Donc là, c'est un petit peu, voilà, un petit peu similaire avec une variante. Donc vous allez devoir en fait vous donc faire une traction toutes les 10 secondes. Vous allez rester accroché 30 secondes et toutes les 10 secondes, vous allez faire une traction. Donc ça donne ceci. Donc on commence par la traction. Hop! Donc voilà, on reste accroché. Donc vous mettez le chronomètre devant vous et arrivé à 10 secondes, hop, deuxième traction. Arrivé à 20 secondes, hop, troisième traction. Et arrivé à 30 secondes, hop, la dernière traction. Et là, vous posez. Et vous faites donc 3 fois ça. Ensuite, donc troisième exercice. Donc vous allez faire 3 fois entre 15 et 30 secondes, pareil accroché. Vous allez mettre vos mains à l'intérieur. Et ensuite, vous allez progressivement les passer sur l'extérieur. Donc vous allez faire intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Voilà, comme ceci, pendant 30 secondes. Ok. Donc 15 à 30 secondes, hein, selon votre niveau, voire 10 secondes, hein, tant pis. Hein. Le tout, c'est d'essayer dans, voilà, de les passer, de progresser de séance en séance. Voilà, vous refaites la même chose jusqu'à arriver à ces fameuses 30 secondes. Ensuite, donc, exercice suivant. Hop, vous êtes accroché, bras tendus. Et là, on va faire un changement de grip. Donc, hop, je passe, je change. On essaye d'en faire entre 2 et 5. Comme ceci. En essayant d'éviter de se balancer. Hop, voilà. Entre 2 et 5, vous faites 3 fois ça. Voilà, hop. Après, bah, pour ceux qui sont plus forts, on essaye 10, 20. Voilà, évidemment, ça évolue en fonction de votre niveau. Ensuite, on va rentrer un petit peu les abdos. Et toujours, voilà, on essaie de faire entre donc 3 séries de 5 à 10 knee raises. Les knee raises, c'est ça. Donc, on remonte les genoux jusqu'à 90 degrés. On les descend lentement. Hop, on les colle. On essaie de ne pas trop balancer. On contrôle, on gaine. Hop, on monte. Et voilà. Donc, 3 séries de 5 à 10 knee raises. Voilà. Ensuite, donc évidemment, prenez un petit peu de temps entre les séries, hein, vous essayez de vous récupérer, vous buvez, vous, voilà, vous essayez de récupérer pas que ce soit trop congestionné. Évidemment, plus vous avez niveau, moins vous prenez de pause. Prenez voire aucune pause, juste les 30 secondes qui sont préconisées. Voilà, ensuite, donc 3 fois 20 secondes avec alternance de mains qu'on a déjà fait sur la première, sur le premier WOD. Donc hop, on alterne les mains, 1, 2, 3, hop. 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, etc. Donc ça vous habitue à être en appui que sur une main et à travailler donc la force de votre poigne en fait, hein, pour ne pas lâcher quand vous allez changer de barre. Le dernier exercice, donc ce qu'on appelle la marche du fermier. Donc ce que vous allez prendre, voilà, si vous avez accès, vous avez des haltères, vous allez pouvoir prendre des haltères, autrement voilà, il y a d'autres alternatives. Donc, si vous avez des haltères, vous les prenez, vous chargez à comment ça s'appelle, un poids, voilà, qui est assez important pour vous, et vous allez devoir faire donc 3 fois 30 secondes de marche du fermier, de 30 secondes à 1 minute, voilà, selon votre niveau. Alors, la version simple, c'est de garder les poignets droits comme ça. La version compliquée, c'est de les casser. Vous cassez vos poignets, vous cassez vos poignets, hop, et là, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Donc, vous marchez avec, hop, on marche, on se balade, et on tient 30 secondes à
une minute. Voilà. Et évidemment, tout le monde n'a pas des haltères à la maison, donc vous pouvez utiliser soit des packs d'eau, hein, packs d'eau. Mais les packs d'eau, on les ouvre, hein, et les bouteilles, on les met voilà, on les entrepose. Hein. Et dans ces cas-là, vous prenez un sac plastique et vous mettez des choses assez lourdes dedans, hein, jusqu'à ce que ce soit assez lourd, et vous vous baladez avec. Voilà, toujours en essayant de casser ce poignet. Voilà, ça va faire vraiment travailler vos avant-bras. Et voilà. Bon, j'espère que ce circuit vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour le troisième volet. Ciao !